Bonsoir, Madame Messier. Information à présenter aujourd'hui. Le Sénat a bien pour convoquer PM Nouméa en avant longtemps. Commission qui pour étudier toute pièce Fritz William Michel Soumettio déjà sous pied. Ligue là-dedans, le sénateur Sayo, Wilfried Gélin, Luma, Dieudonne Étienne, Jean-Rigo Bélisère, Juanic Pierre, Narum Marcellus, Ronald Larèche. Barreau Port-au-Prince exprimait inquiétude li pour sécurité moun qui a fréquenté paquet Port-au-Prince sous Bicentenaire à cause de bandits à exam qui pas jamais chômé. Sans moun pas forcé, le sénateur Nodieu Louis Tedeson hier mercredi dans le palais justice Port-au-Prince, côté il répond à question juge Jean Osner Petit-Papa sous causé implication présumée li dans scandale corruption. Renan Régis, c'est non juge doyen tribunal première instance Port-au-Prince-Lan, Bernard Saint-Ville choisi pour instruire dossier Dermalogla. Dossier ça, sous table après un groupe citoyen a déposé une plainte contre première dame République-Lan, Martine Moïse, 19 d'août passé dans le cadre de dossier ça. Nouvelle dans le pays l'étranger, Pape François t'emmène en visite depuis mercredi soir dans le pays Mozambique qui est situé dans le continent africain. Dans le discours, le chef de l'Église catholique a mis accent sur la paix. Restez branchés pour plus de détails. En général, moun pa rime pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li la pour les deux travers son mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ou a comme un gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mande Dieu pardon, ça arrive au tout. Il n'y a assurance d'où, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flèrent à saison, a fait comme si y'a pas de gens connaissent. Il n'y a assurance à prêter à faire au boule d'où, continuer à vivre la vie, quitter ce coup-là, non mais nous. Il n'y a assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce qu'on était branché. Bienvenue dans le développement journal là. Sénat a bien pour convoquer PM Nouméa en avant longtemps commission qui gagne pour étudier toute pièce Fritz William Michel Soumettio déjà sous pied. Li gagne là-dedans, sénateur Sayo, Wilfried Gélin, Luma, Dieudonne Étienne, Jean-Rigo Bélisère, Juanic Pierre, Narun Marcellus, Ronald Larèche, trois autres membres qui manquaient yo a sorti dans groupe indépendant selon sa président Sénat Carla Mura quand a fait qu'on est n'ayant tweet PM Nouméa besoin bénédiction débranche parlement pour le rentrer dans primatien. Mardi 3 septembre, politique générale LIA te joint confiance, 76 députés sous 79. Juge Jean Osner, Petit-Papa, t'es auditionné hier mercredi en sénateur au nom de Louis dans le palais de justice Port-au-Prince sous implication présumée dans le scandale la corruption d'après un rapport Bureau des affaires financières et économiques qui n'a DCPJ metté de yo. Elina Douesla, qui était accompagnée avec avocat Li, Maître Nol Georges, a été allée avec propre volonté Li dans le cabinet juge instructeur. Maître Georges a déclaré ses manœuvres politiques qu'a faites dans le cas d'accusation Sayo qui fait sous client Lyon. Renol Georges, dans le micro Mario Sylvain, à Kreger Noël. Je ne sais pas ce que dit. Vous avez même dit vous? C'est deux employés Sénat. Qui demandait le président du Sénat d'alors, bon, il ne va pas mettre dans le dossier. Qui s'y est pas à ça, il ne va pas mettre dans la donne. Le collègue Lambert, qui te baille deux Mounsayo, un contrat, et contrat pour le faire chemin, normal, à coup sur des comptes, il vient monter 9 mois, qui vient de bailler en fait de 600 000 gouttes de fonction. Sénateur, non, Dieu n'était même pas en Haïti, le Sahara. Le vini lui joigne, sénateur Lambert signe un contrat, lui signe le tout. Il voyait dans le coup subir des comptes. Voilà. Donc, il y a un problème qui s'allie, blablabla. Il n'y a pas de location machine. Sénateur n'a pas de location machine. Non, sénateur, papa, il n'y a rien comme location machine.
Si on a besoin qu'on ait ça gagné, bon, écoutez, à peine louer machine dans même mettre bagaille là. Il y a à peine, il y a des qui chèque qui baille. Location, oui, il y a des loués. Donc c'est ça dossier en gros, meilleur jour nous gens, pour mettre nos sénateurs à la donne, pour comment on peut s'alimager. Maître Arnel Rémy, qui est avocat dans le barreau tribunal première instance Port-au-Prince, exprimait inquiétude li pour magistrat, avocat et justiciable qui n'est pas en sécurité, là, yo n'a pas qu'à Port-au-Prince à cause de bandits examen qui a fait qu'à tout chanter toute journée. Maître Rémy mandé instance concernée yo pour prendre bon jan mezi pour garantir sékirite tout le monde qui a fréquenté Pakeya sous Bisotneyan. Arnel Rémy, dans micro Nancy Constant avec David Mercius. Nous sommes des avocats et m'a mis en phase sur la sécurité du tribunal. Comment se fait-il que le tribunal de mon pays se trouve dans une situation où même juge qui a pris une décision a couru, même commissaire gouvernement qui a pris une décision, même commissaire gouvernement a couru entre battables. Comment se fait-il que justiciable qui a fini derrière justice dans le pays, dans le tribunal pays, a pris un cartouche devant le tribunal là. Par contre, devant la autorité, il y a deux backups, il y a trois backups en permanence. Pour qu'il ne soit pas des mesures de sécurité permanentes devant le tribunal là, pour mettre tout dans une situation de confiance. Nous sommes appelés à défendre les veuves et les orphelins. Comme on m'a demandé pour me défendre veuves et orphelins pendant que moi-même pas en situation. Moi-même, je peur. La vie m'a danger. Si l'autorité a une volonté, il y a pile problème qu'à résoudre. Et spécialement, problème martissant, problème insécurité. Il n'y a pas de bon garantie. Regardez un exemple. Président Jovenel Moïse pral inaugurer l'armée d'Haïti. Il y a un cordon de sécurité qui sorti depuis le théâtre national jusqu'à ce côté de la rivière. Pour qu'il sorte, il ne peut pas ici, pas tout. Après plainte, un groupe citoyen a été déposé 19 d'août passé dans le greffe tribunal la première instance Port-au-Prince-Lan contre Martine Moïse et l'autre gros fonctionnaire dans l'État. Dans le cas de dossier d'Emaloglan, c'est juge Renaud Régis qui a bien pour instruire dossier ça. D'après avocat plaignant Yo, Marc-Antoine Maisonneuve. Maître Maisonneuve a été profité rappeler obligation législation haïtienne non faite dans le cas d'instruction yon affaire et puis dit l'espérer juge là a respecté obligation. En côté, Marc-Antoine Maisonneuve, qui était dans le micro Nancy Constant avec David Mercius. Le législateur, à travers l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, il précise que le juge instructeur saisi d'une affaire a un délai de 2 mois pour emmener l'instruction et communiquer les pièces de l'information au ministère public et 1 mois. Pour l'émission de l'ordonnance de clôture. Ça veut dire très clairement que l'an fin mois de novembre, nan, l'an 4 dilapidation fond dermalog ça, l'agent dermalog ça, eh bien pratiquement, moun pral l'an kouri, Guilherme Sedel va pral l'an kouri, Martin Moïse pral l'an kouri, parce que juge instructeur, il compte ça déjà, il gagne seulement 3 mois pour le faire travailler, pour le faire travail d'instruction. Eh bien, le juge instructeur, Renaud Régis va devoir rendre une ordonnance de renvoi. Côté moun sa yo, la pimpe tout par devant le tribunal criminel pour yo ka vin remettre l'agent sa yo prend la question d'Hermalog la. Et c'est triste pour nous dire, jeudi a l'ente à l'entreprendre des démarches auprès du cabinet d'instruction pour nous connaître si dossier d'Hermalog là t'est distribué. C'est comme ça nous tombons sous 2 mounes que par les nationales voyaient l'engreffe là. Pour nous connaître qui juge instructeur qui prend le mener dossier pour nous acheter. Je n'ai pas besoin de dire qui est-ce qui t'a attiré l'attention sous présence. Les moyens ont inquiétude, ils viennent déceler l'expression visage. Ils n'ont pas entendu. Et puis, greffier a dit comme ça, mais mettez mes vous mettez mes oui, moi, ils n'ont pas entendu. Et puis, ils font des tout. Bon côté pa yo plaignant yo averti juge Renaud Régis pour li pas traîner pied dans quatre dossier ça pendant yo déclaré fok impunité à corruption suspend taille banda dans pays d'Haïti et dire Jean-Louis yo n'a plaignant yo toujours dans micro Nancy Constant avec David Mercius. N'a demandé maître Renaud Régis pressé pour nous avec dossier d'Hermalog là parce que nous dit dossier d'Hermalog là pas rentrer dans tiroir. Nous dit dossier d'Hermalog là fok li avancer. Parce que nous-mêmes nous disons clair, pas de contrat qui a signé dans le bout de caille avec une bonne volée
qui prend un pays en otage, côté que c'est corruption qui a taillé bandal dans tout côté nous passer dans le pays. Je veux dire, c'est ça que fait Nabdi juge, Nabdi magistrat Renon, registre. Nabdi, dans le dossier de Malog là, levez pied. S'il pas levez pied dans le dossier de Malog là, nous même plaignons, nous avons accès pour nous coucher dans le paquet de Port-au-Prince, pour nous coucher devant la Kaili, pour nous coucher dans la cour la Kaili, pour nous coucher dans le carbone de la coucher, définitivement, pour le dossier de Malog là capable de marcher, pour nous capable de mettre voler ça en bas côte. Je dis à nous dit 27 700 000 $ américains vers ça, nous dit qu'il pas passé inapes. Et nous même nous dit, dans le jour qui vient là, si le juge n'a pas levé pied, depuis que les gens qui ont un dossier de malog là, nous prenons le coucher devant la caillou. Dossier éducation par an yo, par konen ki sen pou yo rele quelques jours avant date 9 septembre là, qui fixé pour entrer l'école là. C'est sa responsable, Réseau National Adwa Mounio et NDDH a déploré. Pierre Espérance a critiqué dans sens ça, autorité yo qui pas suspend gaspiller ressources financières payant, alors qu'il y a plein de problèmes socio-économiques qui pour résoudre. En côté ça le dit. Bon, vraiment. Et préoccupation, c'est question sécurité. Préoccupation, c'est et situation et monde qui est dans le pays et monde qui est pas capable de vivre dans le monde, dans l'insécurité, il est pas capable de tenir l'école. Et même l'État qui compte un engagement pour bail et des subventions et la question matérielle pour l'école, et jusqu'au moment qu'il n'a pas parlé là, l'État n'a pas signé aucun accord, aucune entente avec et institutions qui pour faire matériel ça yo, alors que yo joine l'argent qui a gaspillé. Nous connaît dans ministère finance, dans trésor public là, et premier ministre Lapin chaque mois lui retire 35 millions de gourdes dans trésor public là pour question et intelligence ou si nous veut carrer et surveillance. Et ben comme ça il prend 20 millions du voyage dans le palais national, il y a 15 millions. Et puis, il prend seulement 2 millions de dans le trésor public, là, qui parle de 35 millions, ça, qui bail la police, la protection, l'intelligence, ou bien ça d'arrêt de l'enseignement. Donc, question sécurité, hein, pas une priorité pour l'autorité, et ni entrer l'école là, parce que si c'est une priorité, ou pas besoin du gouvernement pour l'autorité, t'as signé ou en tant ou accord avec une institution qui là qui pour qui a signé avec eux déjà qui pour produire qui pour bail matériel pour question d'école, je pas fait donc ça va en priorité. Nous fini là avec nouvelle locale, nous pral font coup de pied dans pays l'étranger. Nouvelle dans pays l'étranger, Papa François qui est dans pays Mozambique depuis mercredi soir dans cadre d'une visite, mettait accent sur la paix qui doit établir dans pays ça. Mois passé, il y a un accord qui était signé entre gouvernement Maputo et Renamo qui c'est une ancienne rébellion. Il y a un guerre civile qui est arrivé dans Boutli après 27 années, mais Renamo pas jamais remettre à Zamli, mais accord ça qui signé rend officiel fin conflit. Pape François, qui t'a parlé jeudi, jeudi, en présence du président mozambicain Philippe Nyusi, avec chef Renamoa, Osufo Momad, t'es louangé et fort qui fait tuer pour la paix capable rétablie dans le pays ça. La paix, c'est le meilleur chemin pour affronter les défis nous gagnons comme nation. C'est ça, Pape François a déclaré. Non avec violence qui a détruit nous. Oui pour la paix, avec réconciliation. C'est ça, Pape l'a ajouté. Pape François a prêté Mozambique jusqu'à demain vendredi. Après ça, il pourra aller à Madagascar et puis continuer à visiter les sous-îles Maurice. Nous toujours dans le pays l'étranger, nouveau gouvernement italien a prêté serment matin jeudi 5 septembre dans le palais Quirinal qui se siège à président républicain. Après ça, l'État doit joindre un vote de confiance dans le parlement qui est fixé pour lundi dans la chambre des députés et pour mardi dans le Sénat d'après les médias italiens. Dans cette équipe, ça, il y a un premier ministre sortant, Giuseppe Conte, cabinet, il y a 14 garçons et 7 femmes. Parmi les défis qui ont le nouveau gouvernement, ça, il y a une relance économique, lutte contre le chômage et la gestion d'être Rome, il y a une pression, Bruxelles, celui qui a demandé pour réduire le déficit public.
Continuez à suivre nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, à radiotelepacifique.com ou bien sur Bouquet Canal Plus, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 avec Bahamas, Nassau, sur Kebo Bahamas, chaîne 384. C'est là, nous mettez bout à journal nous aujourd'hui. Madame, messieurs, moi, t'es content, informé. Restez branchés.